Là, on va se faire le gros ouvrage de reste-fond. Celui-là, il est assez balèze. Il y a plusieurs tourelles. Donc, on va faire attention. Donc, moi, je suis venu ici il y a quelques temps. Par terre, c'est des rails, hein, si vous voyez. Donc, je suis venu il y a quelques temps et j'ai pas fait gaffe, en fait. Je me suis pris un trou. Et il y a plein de trous comme ça. Donc là, on va faire très attention. Il y a dans le trou, dans l'endroit, il y a encore mon téléphone qui est tombé. J'enlève le cube, on devrait le voir. Là, je suis tombé là-dedans en fait. Hein. Il y a facile 1m50 d'eau glacée. Là, il y a une petite salle. Salle voûtée. Rien de spécifique, rien d'intéressant. Et cette salle en fait, j'étais rentré dedans. Là, normalement, je crois qu'il y a des échelles. Il y a une échelle, pardon. Alors, j'avais pas vu la flotte où je suis venu. Donc là, ça grimpe assez haut. Et ça donne sur rien en fait. Je crois que c'était des échelles de service pour entretenir certainement la tuyauterie. On fait attention de ne pas se prendre un trou. Là, il y a encore un lit. Là, il y a tout le câblage électrique, qui est intact. Là, on a une machinerie. Donc là-bas, on n'était pas allé. Ah, attention, il y a un trou là. Il y a une salle qui donne sur rien. Je pense que ça doit être l'équipe d'entretien là. Vide en garde des dépôts. Donc là, on va continuer à avancer. Donc par terre, vous voyez, il y a un rail. Hein, il doit y avoir des wagonnets pour transporter les munitions, certainement les charges lourdes. Là pareil, les rails s'arrêtent. Alors je sais que le fort n'a pas été terminé. Je ne sais plus trop pourquoi, je crois que la guerre s'est précipitée ou ils n'ont pas eu le temps de le terminer en fait. Hein. Il y a des galeries qui ont été creusées qui n'ont pas été terminées. Donc là il y a une petite galerie par là, une par là, une par là. Donc il y a des flèches rouges, c'est les mêmes flèches qu'on a vues dans d'autres bunkers dans le coin. Fais gaffe au trou. On va s'aventurer par ici. Donc là je crois que c'était les latrines. Ouais. Donc là pareil. Ça doit être à la fosse septique, certainement. Alors là, c'est des latrines de partout. Hop là. Système de chasse d'eau. Alors, là, ça doit être les sanitaires. C'est fou, c'est que les paillettes, elles sont intactes. Les bombes, pareil. On voit que l'inox de l'époque était très bon. Je crois que ça a presque 100 ans, si ce n'est plus. C'est vachement bien conservé, quoi. Donc là, il y a des cabines à part. Je sais pas si c'était peut-être pour les gradés ou la porte est verrouillée. Alors, il y a une pièce ici. On voit des citernes. Alors, est-ce que ça doit être les cuves, soit les citernes d'eau potable, soit les citernes à fuel. C'est fou, c'est que c'est vraiment bon état, quoi. 50 ans. Donc là, pareil, ça doit être la fosse septique, je pense. Hein. Donc là, on voit des vannes de coupure. Pour moi, c'est... Je
pense que c'était les citernes d'eau potable. Là, il est du bois d'époque, il est un peu pourri, mais franchement, il a tenu. Donc là, je pense qu'on a rejoint le couloir de par où on est venu. C'est ça, exactement. Voilà, donc on est venu par là. On a pris un peu d'avance parce que je crois qu'il y avait l'autre côté, si j'ai pas de conneries. On revient sur nos pas, hein, parce qu'il y avait une galerie qu'on n'a pas fait. Donc là, c'est où on était. Fais gaffe, fais vraiment gaffe au trou. Hein. Donc on est venu de là. Donc là, il y avait un point d'eau. Et donc cette galerie, on l'a pas faite. On va prendre les flèches rouges pour repère. Là, le risque, c'est de se perdre. Donc là, on est... Ah bah tiens, une chaudière. On a une belle chaudière ici. Donc on est sur cette technique. On va s'approcher un peu. Le boîtier qui a été pillé, bien sûr. On a piqué le cuivre. C'est dommage que c'était saccagé. Donc c'est bien le tube de fumisterie qu'on retrouve de l'autre côté là. Ah, c'est rouillé. On va bien ouvert, fermé. Alors ça c'est une belle chaudière ça. Belle chaudière au sol. Il n'y aurait pas la marque par hasard. Alors. Ramonet souvent. En fait, c'est bien, c'est une précisée à l'époque. Hein. Maintenant. C'était quand même du sacré matos. Voilà, c'est devenu du papier à cigarette. Donc là, société râteau. Alors, c'est des sociétés, je ne sais pas si ça existe toujours, mais oh, c'est magnifique. Vous voyez. Ça, c'était vraiment du matos. Hein. Alors. Donc, les flèches rouges indiquent la sortie. Pas oublié. Donc là, ça sent vraiment le fioul, ça sent vraiment fort le fioul. Donc là, ça, si j'ai pas de conneries, ça doit être le disjoncteur du fort. Ça va sacrément balèze. Bon, je suis pas électricien par contre, hein, ça je comprends du tout, mais pas sortir de Saint-Cyr en port. Là, c'est une poignée d'urgence pour couper. On pourrait enclencher si jamais ça saute. Donc, le groupe électrogène ne doit pas être loin. À mon avis, je pense qu'il devait être là. Bon. Voilà, c'est dégueulasse par terre. Je suis en train de tuer le godasse. Donc là, on voit des tubes de fumisterie encore. Ça doit être du 250 voire du 300 en diamètre. Il y a une grille. Les câblages, ça a été pillé. Excusez-moi, je vais essayer de filmer là où j'étais, parce qu'en fait, je m'en fous depuis tout à l'heure, je ne le fais pas. Donc là, on arrive de suite, il y a du carrelage. Ça change de niveau. Alors là, attention, c'est plein de flotte. Oh là, c'est monstrueux ici. Donc je pense que... Ah ben oui, voilà. Voilà le groupe électrogène. Donc je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer d'avancer sans me foutre en l'air, parce que là... C'est rempli d'eau par terre, c'est envahi. Donc là, éclaire bien tes pieds. Éclaire-moi s'il te plaît. C'est un éclairage supplémentaire, voilà, que je puisse bien voir. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je vois que là, il y a tous les collecteurs. Alors ça c'est pas la pièce où on était tout à l'heure là-bas, avec les citernes. Là ça doit être la citerne de fioul je pense, parce qu'on a... Oh, je suis pas passé loin. Donc là, il y a des boulons, il devait y avoir les outils ici, ou les clés certainement. Attention. Donc ouais, je reviens, je pense que c'était les citernes de fioul. Reste là, ne bouge pas. J'ai piqué sa lampe. Je ne pas longtemps. Donc là, c'est aussi des citernes. Donc, à mon avis, c'était des citernes de fioul. Donc là, on passe par là.
Donc là, on a des groupes électrogènes qui sont monstrueux. Il y en a trois, il y a trois postes. Donc, bien sûr, ils ont été pillés, démontés. Alors, reste tout silence, là, ça glisse. Je vais juste simuler ça. Alors, ce qui est fou, c'est quand on regarde la qualité de l'inox, le truc il est intact. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Les matériaux, bon après le Nuremberg c'est militaire, hein, c'est sûr. Mettez pas de la merde, hein, mais là, comme je dis, ça fait presque 100 ans, voire un peu plus. L'inox n'a pas bougé, quoi. Alors, AMP, réparation Nice, relele 18-8. Est-ce que c'est d'époque? Je présume que c'est d'époque. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, AMP, ça serait cool, dites-moi le dans les commentaires. Moi, je suis pas électricien. Alors, c'était du jargon électricien, je sais pas. On va passer par là. Fais gaffe où tu mets mes pieds. Donc là, on va pas lui plus, on va sortir. Hop là, marche bien sur la plaque. Hein. Ça serait dommage de la foutre en l'air. Tu gères ? Allez. Donc là, pour ce côté, c'est bon. Donc là, on a fait. Donc flèche jaune et verte, sortie. C'est toi qui as fait ce bruit ou... Bon, je pense que il y a pas mal de gens dehors. Donc... Alors, deep you can get. Donc là, on est passé. Si tu arrives à essayer de nous éclairer en face, comme ça, ça met un plus. Alors là, il y a deux galeries. Une galerie là. Une galerie là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la droite. Je crois que ça va en direction des canaux. Oh punaise, c'est énorme. On ne sait plus où aller là. Alors. Une petite salle ici. Donc là, carrelage blanc. Cuisine ou sanitaire. J'ai les pieds trempés, j'ai failli noyer là. Il y a une flaque d'eau là, c'est monstrueux. On marche dans le flotte. Ah, on va pas aller plus loin là, c'est juste une salle sans plus. Marche sur les talons si tu veux pas te tremper. Donc là, c'est quoi? Ça fait le tour. Ok, ça passe de l'autre côté. Donc là, partie électrique. Voilà. J'ai les pieds trempés, l'eau doit être à moins 5 degrés, là, je sais pas, mais c'est glacé. Donc on est venu par là, on continue à progresser. Alors, une petite salle, pareil, partie électrique. Il y a des rails sur le côté en hauteur, ça ne marche pas pour pendre des fusils, des trucs comme ça. Donc là, un truc sans fond. Alors, la bande tête rouge, les planches au sol, j'aime pas trop. Il y a toujours des rails. Donc là, les rails, ça continue, ça va jusqu'à là. Donc on dirait que c'est pas terminé.